Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 19 au vendredi 23 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. C'est mon fils qui les a choisis pendant que je préparais les jeux. Je lui ai dit, tu veux choisir le plus petit? Il m'a dit oui. Donc il vous a choisi le petit lapin, enfin petit, le dos du lapin. Le petit chien, je crois que c'est d'un dessin animé belge, néerlandophone. Je crois qu'il s'appelle Samson, je suis plus sûre, s'il y en a qui savent. Et il a choisi Titi. Voilà, bon, évidemment, celui qui a choisi, il a choisi des trucs trop mignons. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, une pils de l'oracle holographique de ma belle Cricri, de l'oracle graphite, l'oracle Ro, évidemment, le Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai repris le Cape Town de Onyx sur l'Égypte, j'avais envie, ça faisait un moment. L'oracle M de ma belle Cricri, j'ai ressorti, j'avais trop envie. Je l'ai vu passer dans une vidéo, un vlog de quelqu'un, mais je ne sais plus c'était qui. Je ne sais vraiment plus qui c'était. L'oracle rétro d'Émilie de Dieu, j'adore. Je me suis dit que c'était l'occasion. L'oracle Garance que j'ai mis à l'envers, voilà. Et j'avais cette fois-ci envie de sortir le Lifestyle de Delphine Allard, Magic Luna. Voilà. C'est vrai que je le sors parfois, j'ai tendance à aller plus facilement vers le Magic Luna ou le Trou, mais j'aime beaucoup le Lifestyle, Lifestyle aussi. Voilà. Donc celui-ci, je vais juste enlever les cartes avec toutes les cartes avec les mots-clés. Et c'est celui-ci, oui, avec les années. Années combien? Années 80, 70, 90, 90, je crois. Ouais, 90. Moi, c'est pile ma génération. Les yo-yo, les ordinateurs. J'adore. Voilà. Bon, le Lifestyle, lui, dans sa belle boîte. Gros bébé aussi celui-là, il y a beaucoup de cartes. D'ailleurs, le Dark va plus tarder à arriver, donc lui aussi on le verra. Et le Trou dans sa plus petite version. Du coup, je suis encore dans la véranda, hein, vu que il ne reste plus que deux semaines de congé. C'est effrayant comme ces vacances ont passé à une allure de fou. C'est déprimant de se dire que, enfin mes enfants se sont déprimés de se dire que l'école va recommencer. Du coup, je retrouverai mon bureau. Voilà. Et sinon, j'ai laissé les portes ouvertes, donc il se pourrait que vous entendiez un peu de vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, il fait plus respirable quand même, mais je supporte bien les portes ouvertes, je vous avoue. Voilà. Alors, le Cape Town, celui-ci, et j'ai raté le... J'ai oublié son nom, mais il avait fait un sur l'Asie, et ben, je l'ai raté. Voilà. Comme j'ai mis des sous de côté, évidemment... et j'ai vendu quelques jeux pour Petit Nougat, j'ai pas su le prendre. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'il en ressortira plus tard. Voilà. Et voilà, il me reste l'euro à déballer. Mais ici, au moins, j'ai de la place pour mettre les jeux, hein. J'ai de la table. On mange souvent ici dans la véranda, d'ailleurs. Voilà. Voilà, et voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les pils. Et les pils, elles m'ont fait un joli tour aussi en les prenant sur mon bureau. La boîte est ouverte. Il y a toute une partie qui est tombée. J'ai pu tout ramasser sur mon bureau. Ce sont des petites coquines. Hein. Soit je les oublie, soit il y en a qui tombent. Mais franchement, je les adore. J'essaye de gratter dans le fond. Mais j'ai déjà remarqué que même... faire ce que je veux, mélanger, gratter, retourner tout le bazar, quand c'est parfois toujours les mêmes qui ressortent, et c'est vraiment une coïncidence. Voilà, vous voyez, ouais, vous voyez. Voilà. Bon. Et alors, c'est toujours le même tapis. Aussi, j'aime bien changer de tapis, mais c'est le plus grand que j'ai pour mettre sur ma table, la table de la véranda. Sinon, vous allez avoir une toile cirée, oh, avec des cerises. Voilà, oh, j'ai chaud quand même. Celle-ci, elle s'est retournée. Pourtant, il fait bon. Bon, je crois que je devrais mettre mon réveil. Hein. Bon, je serai réveillée, je serai dans le chat quand vous verrez, mais je pense que j'ai tout intérêt à mettre mon réveil au matin où je ne serai pas au rendez-vous. Parce que ce matin, je n'ai pas mis de réveil et d'habitude, je le mets à 8h, 8h30, hein, quand c'est les vacances. Ben, ce matin, je suis réveillée, c'était 10h. Ça, c'est... ça. Je me suis dit, oh non! En masse déjà 10h. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la souhaite? Ah bah le M. Je suis ici aussi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé il n'y a pas longtemps. Oh, bah voilà, dans les commentaires si où est-ce qu'on pouvait le trouver.
sous une guidance, je crois. Du coup, c'est ça, c'est bien quand j'emploie les yeux dans les guidances. Les gens les voient et ceux qui n'ont pas vu les reviews, eh bien, ils se disent, oh, c'est qui, c'est quoi? D'où il vient? Il est trop beau. Où est-ce qu'on peut le commander? Et voilà. Oh, et j'ai des petits jeux, un Lenormand d'Halloween à vous présenter et un oracle aussi que Lily Oracle m'avait envoyé l'année passée sur Halloween. Mais j'avais présenté son pop-art Lenormand et celui-là, comme Halloween était passé et elle n'en avait plus, je crois, je ne l'avais pas présenté, mais ici je vous le présenterai. Il est trop beau. Et du coup, il pourra venir dans les guidances aussi. Oula. Ouais, et le Lenormand, je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie de Lenormand pour le moment, c'est terrible. Vraiment, il faut, je crois que là, c'est un clin d'œil qui me dit, il faut que je me mette remette dans l'apprentissage. J'ai trop, mais j'en ai plein en plus, on m'en a déjà envoyé plein, j'en ai déjà présenté plein. Et bah, j'ai trop envie du coup, je ne sais pas, ça m'appelle. Je sais que c'est pas, ouh, il y en a plein comme ça. Qui me disent parfois, oui, ça m'appelle pas. Et puis après, un an ou deux, ah oui, mais non, ça m'appelle. J'ai l'impression de radoter, là. Comme une petite vieille. Oh. Il y en a deux. Non, j'ai pas envie. Deux, c'est trop. Ouh, je lui ai fait des bêtises. Et vous avez vu, on est passé les 9000 abonnés. J'en reviens pas. C'est dingue. Il y a quelques temps, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh, bah, tu vas viser maintenant les 10 000. Je lui dis, oh, jamais. Je suis loin. J'y arriverai jamais. Ça me paraissait tellement loin. Et ben, maintenant, je commence à y rêver. Pourquoi pas, hein, vu qu'on est dans les 9 000. Pourquoi pas? Ce serait trop chouette. Bon, j'avoue que ma chaîne, c'est ma grande fierté. C'est mon bébé. Hein, j'y tiens beaucoup. C'est beaucoup de travail aussi. Mais c'est tellement une passion que c'est toujours fait avec plaisir, avec joie. J'adore faire les vidéos et je sais maintenant qu'il y en a qui attendent ce moment tous les jours. Hein. Il y en a parfois aussi qui sont seuls et ça leur fait un petit moment de compagnie. Hein. Mais c'est vraiment... Ma chaîne, c'est quelque chose de très important du coup, pour moi. Mes enfants le savent aussi. Hein. Parfois, ils disent « Ouais, tu t'ennuies avec ta chaîne, il n'y a que ta chaîne. » C'est pas vrai, hein, mais voilà. C'est juste parce que parfois, je dis « Elle a fait une vidéo. Ouais, encore !» Vous savez comment sont les enfants, hein. Voilà, et puis bon, allez, j'adore les partager avec vous, vos commentaires, voilà. Et puis maintenant, c'est déjà un petit moment que je fais des vidéos tous les jours. Hein. Je me disais ça en semaine. La chaîne a fêté ses 4 ans en juillet, du coup, 4 ans. Ça me paraît comme si c'était hier, moi. Bon, je vais arrêter de blablater parce que finalement, j'ai déjà blablaté 8 minutes, hein. Bon, c'est pour ça que je vous mets le timing quand je l'oublie pas. Hein, ça m'est déjà arrivé de l'oublier. J'essaye. Parfois, je l'oublie et je le mets un jour après. Quand je m'en rends compte, je suis désolée. Aïe. Mais parfois, j'ai tellement de choses à penser. Avec les enfants, les animaux, avec le petit Nubia. J'aime beaucoup ce Cape Town. Du coup, j'ai une chanson en tête. Je vais m'abstenir de chanter, n'est-ce pas? Ouh là 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 là. Bon, on la prend. Elle a voulu. Oh, regardez comme elle est belle celle-là. Bon, je remélange un petit coup. Désolée, il y a un train, mais j'ai pas envie de mettre pause. Oula. Je crois que cette fois-ci, j'ai oublié personne. Hein. Pas comme la semaine passée avec l'oracle de Virginie, là. L'oracle de Solène. J'avais carrément oublié de prendre une carte. Voilà, bon, on est bon. C'est un peu dans le bazar. Mais on va. Je remets juste un tout petit peu dedans. Et on va commencer par ceux qui ont choisi le lapin bien dodu. Ah, la victoire. Celle-là, je crois... Ouh, on l'avait jamais sortie. Je ne m'en lasse pas, moi, de ce reflet holographique. Bon, ben là, la victoire, c'est cool. Alors, ça avait sauté. Le grand-père et la déception. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça? Bon, le train passe. Peut-être que vous allez être déçu par rapport soit à une personne plus âgée, peut-être qu'il se réjouit pas de votre victoire ou de quelque chose que vous avez fait. Peut-être que vous auriez espéré qu'il montre peut-être un peu plus de joie et qu'il vous encourage peut-être un peu plus. Ou alors, ça peut aussi être la sagesse. Peut-être que ça pourrait vouloir dire que vous avez peut-être gagné...
en sagesse, à cause de déception, vous avez peut-être été déçu par certaines choses, certaines personnes, et peut-être que ça vous aura apporté une plus grande sagesse, et du coup, pour vous, c'est une certaine victoire, peut-être que vous ne faites plus avoir aussi facilement. Voilà. Bon, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ici, on a l'accélération. Ah, du coup, ça pourrait être une victoire qui ferait, qui donnerait un petit coup de peps et ça pourrait accélérer les choses. Voilà. Donc, du coup, peut-être que c'est une victoire qui n'est pas venue assez vite à votre goût, hein. Et ici, du coup, avec l'accélération, peut-être que ça va faire enfin avancer le bazar, le schmilblick. Voilà. Ouais, peut-être une victoire qui viendrait faire que enfin se fait bouger les choses. Bon, on a toujours la déception là-dedans. On va voir avec les autres cartes, hein, qu'est-ce que ça pourrait nous dire. Le kaléidoscope avec l'illusion. Du coup, illusion et déception, ça pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça? Ça pourrait être suite à des déceptions et des désillusions que vous avez peut-être... fait preuve du coup de sagesse et changer peut-être les choses pour arriver peut-être à une victoire, à une réussite en tout cas, hein, ça peut être au boulot, ça peut être dans tous les domaines et c'est peut-être le fait d'avoir changé un petit peu les choses, peut-être d'avoir remanié un projet suite à ces désillusions, que ça va s'accélérer et que le projet ou enfin, ce que ça concerne, ça ira peut-être plus vite. Je ne sais pas si tout ça est très clair, hein. J'essaie d'attraper le Valhalla. Ah oui, il y en avait l'automne. L'automne avec peut-être soit une accélération et du coup, ça va peut-être se passer, se produire en automne. Ou alors, ça pourrait être la carte du lâcher prise avec l'idée que peut-être vous avez lâché prise sur les désillusions, les déceptions. Et du coup, pour vous, c'est une victoire d'avoir su passer au-dessus de ça. C'est une preuve de sagesse aussi. Et du coup, ça accélère... les choses, au lieu de rester dans la désillusion, les mauvaises choses du passé, peut-être que de tourner la page, de lâcher prise, ça va accélérer de nouvelles choses. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais moi, je me comprends. Moi, ici, on a un grand oui avec le lifestyle. Bon, clairement, on vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. Hein, lâcher prise par rapport aux mauvaises expériences ou aux mauvaises choses que vous avez peut-être eues à traverser. Lâcher prise et vous allez vraiment vers une période de victoire, d'abondance assez rapidement et un grand oui. Voilà, donc c'est tout bon. Le garant, ce n'est pas le d'hiver, lui, oh, c'est marrant. Du coup, ça pourrait vouloir dire que vous allez sortir d'une période... un petit peu, vous avez peut-être stagné, vous n'avez peut-être pas beaucoup avancé avec les désillusions, peut-être, et les déceptions, ça s'est peut-être pas passé comme vous l'aviez voulu au départ, mais le fait de lâcher prise et peut-être de changer les choses, ça va faire que vous allez sortir de cette période de stagnation, ça pourrait bien s'accélérer dans le bon sens, du coup, voilà. Ça peut être au boulot, ça peut être un projet. Hein. Ah oui, ici, on avait la fidélité. Bon, ici, j'ai l'impression... la fidélité, ça peut être des amis, mais si ça me ferait penser plutôt à l'idée d'être fidèle à soi-même. Peut-être que vous n'avez rien lâché, même si vous avez été déçu, s'il y a eu des désillusions, vous êtes resté fidèle à ce que vous vouliez, à vos idées, à vos valeurs. Et c'est peut-être ça qui fait qu'au final, vous allez vers la victoire et ça va s'accélérer, en tout cas. Voilà. C'est pas mauvais, hein, le petit lapin. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi le petit chien, le petit Samson. Progression, elle était déjà venue, hein. Je crois que c'était dans le week-end ou la semaine avant avec l'idée de progresser, voilà, de monter les échelons. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Le masque, oh, pas cool. Et là, bon, du coup, ça pourrait être une progression un peu plus négative, hein. On revient toujours avec cette idée, soit c'est vous qui portez le masque et vous pouvez pas vous montrer tel que vous avez envie qu'on vous voit parce que c'est peut-être mal vu, etc. Et du coup, vous avez peut-être l'impression de perdre pied, vous sentez pas bien. Ou alors, ça peut aussi être le fait de se sentir dépassé, suffoqué, de plus arriver à reprendre ses esprits, entre guillemets, parce que quelqu'un a peut-être été malhonnête avec vous. Voilà, donc bon, ça pourrait être progression, mais du coup, dans le mauvais sens.
Et que si ça continue dans cette voie-là, c'est pas des bonnes choses qui sont au rendez-vous avec la noyade. Hein. La noyade, c'est vraiment ici, on le voit, on a presque l'impression qu'on va lui pousser la tête sous l'eau ici avec cette main. Elle est fort oppressante. Hein. Donc si ça continue, soit vous vous entourez de personnes malhonnêtes, soit c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même et qui ne pouvez peut-être pas être qui vous voulez être, vous allez peut-être être de plus en plus oppressé et ça va pas aller dans le bon sens. J'essaye d'attraper le M, la peur, ouais. Ça pourrait, soit vous avez peur de vous afficher tel que vous êtes, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, la société, des fois, on a peur de montrer qui on est vraiment, peur d'être rejeté, peur que les gens nous jugent, etc. Donc, c'est vraiment peut-être la peur de montrer qui vous êtes vraiment, qui fait que vous n'osez pas et vous êtes vraiment, vous le vivez très mal, voilà. Ou alors, ça peut être la peur de nouveau. Vous avez peut-être peur d'être à nouveau trahi aussi. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez oppressé également. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance à de nouvelles personnes. Vous avez trop peur de vous faire de nouveau avoir. Voilà. Et bon, la progression, ce serait plutôt une peur qui va dans le mauvais sens du coup. Ici, on a la montre avec l'attente. J'en avais une comme ça, mon Dieu. Et ces bracelets-là aussi. L'attente, du coup, peut-être vous êtes dans une période de stagnation. Comme je vous disais, hein, vous êtes peut-être vraiment encore dans l'esprit, dans le sentiment de peur. Et du coup, vous êtes bloqué hein, en attente. Vous n'arrivez plus à aller de l'avant, à faire confiance aux autres ou à montrer qui vous êtes vraiment. Et du coup, vous suffoquez, vous sentez vraiment oppressé et pas bien. Voilà. Donc, vous êtes vraiment dans l'attente, là. Mais il va vraiment falloir faire quelque chose pour débloquer le bazar. Alors, ici, on a la fée. La fée avec la magie. Mais ici, la fée, elle est plutôt emprisonnée. Donc, moi, je le verrais ici plutôt comme quelque chose de plutôt négatif, vu que le reste n'est pas très positif. Hein. Peut-être que vous avez l'impression d'être enfermé. C'est peut-être ça qui fait que vous suffoquez, enfermé avec vos peurs. Et il va peut-être falloir, ouvrir ce bocal et laisser la magie sortir pour justement revivre. Voilà, peut-être que vous êtes mis dans une bulle, enfermé. Peut-être que vous refusez de voir des autres personnes, de peur de vous faire de nouveau couillonner entre guillemets, et du coup vous êtes vraiment renfermé dans votre bulle, pas dans votre bocal, mais et du coup c'est ça que vous suffoquez et vous oppressez. Vous êtes vraiment, c'est un peu comme avec la carte de l'attente, comme si vous aviez mis votre vie sur pause et que vous êtes renfermé sur vous-même et tout le monde extérieur vous bloquez, vous voulez plus rencontrer de nouvelles personnes, etc. Tout ça à cause de la peur. Voilà. Alors, le changement, clairement ici, on vous dit qu'il va falloir changer les choses. Ça, je viens de vous le dire. Si vous voulez, si vous voulez pas finir en déprime ou vraiment pas bien, il va falloir, un peu ici, il y a marqué « girl power », il va falloir retrousser vos manches, je vais y arriver, et sortir la badass qui est en vous et essayer de vous battre pour sortir de ses peurs, etc., en vous disant peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, voilà. Mais il va falloir lutter, je pense, et il va vraiment falloir changer les choses. Ici, on a le voyage, avec l'idée peut-être de faire peut-être quelque chose pour vous changer les idées, peut-être un petit voyage, ça peut être une journée à la mer ou une journée en forêt, c'est pas forcément loin, hein, mais avec l'idée d'aller changer d'air, tout simplement, peut-être ce serait bénéfique. Le Cape Town nous parle de commérage. Ça rejoint les masques. Alors, c'est peut-être suite à des commérages hein, que vous êtes rendu compte que certaines personnes n'étaient pas honnêtes. Et ça a engendré une certaine peur. Vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez bloqué toute nouvelle relation, justement de peur que ça se reproduise. Et vous n'êtes pas bien dans votre bulle, vous suffoquez. Donc, il va vraiment falloir essayer de mettre des changements en place pour essayer de faire changer les choses. Voilà. Parce qu'ici, on a plutôt l'idée progression que la peur va crescendo, quoi. C'est de pire en pire. Et on va terminer avec le titi. Petit titi. Un petit mot, ça fait pas ça, cri-cri qui dit souvent mon titi. L'aventure. Elle était déjà sortie aussi, celle-ci. Peut-être que vous en avez un peu marre de la routine et il est peut-être temps de partir à l'aventure. Explorer de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes bientôt en vacances aussi. Le choix et le puzzle. Bon, ici, vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être un choix
entre le présent, entre ce que vous faites, et quelque chose de peut-être plus, plus risqué, mais qui vous tente peut-être plus, quelque chose qui ferait que vous trouviez peut-être votre place dans la société. Par exemple, vous avez un travail bien payé, un CDI, que sais-je, et vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous savez que c'est plus risqué, mais vous savez que vous seriez nettement plus heureux, voilà, entre guillemets. L'oracle M nous parle de fidélité. Peut-être que vous vous sentez, dans le présent, peut-être que vous avez peut-être l'impression de devoir quelque chose, par exemple dans votre boulot actuel, ou alors vous avez envie d'être fidèle à vos pensées et essayer de prendre des risques, peut-être pour vous sentir mieux avec vous-même, ça pourrait aussi. Ou alors vous avez peut-être l'impression d'être redevable et de ne pas pouvoir faire ce changement, ça pourrait également. Ok, ici on a Révélation. Avec quoi la série divulgatrice? Comment ça s'appelait encore cette série? X-Files, oui, voilà. Révélation, ça pourrait être quelque chose qui d'un coup, comme un flash qui vient vous dire que maintenant vous êtes peut-être à une période de votre vie où peut-être il va falloir faire un choix entre trouver quelque chose de plus, qui vous correspond plus, de plus risqué, où vous sentiriez beaucoup plus épanoui, ou alors rester confiné dans la sécurité, etc. Et avec ça, on a la fidélité, donc peut-être être fidèle à vos idées. Donc ça, c'est vraiment avoir le pour et le contre. Alors, le Valhalla. Ici, nous parle de retard. C'est peut-être quelque chose que vous aviez prévu depuis longtemps, mais que vous avez peut-être reporté à chaque fois, peut-être par peur de vous lancer. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de retard dans votre esprit. Et maintenant, peut-être que ça revient, ça revient au tableau. Et là, vous allez peut-être devoir faire un choix, voilà, entre les deux. Le lifestyle nous parle de force, puissance, don, bonté, guerrière, justicière. Ici, je verrais peut-être plus comme la force. Peut-être que vous allez devoir puiser en vous pour prendre le bon choix, tout simplement. Peut-être aussi trouver la force d'oser vous jeter à l'eau et en sachant que c'est risqué, mais vous seriez peut-être plus épanoui. Voilà, peut-être qu'il va falloir trouver la force en vous de vous jeter à l'eau. La compréhension, ici, j'ai l'impression qu'on nous dirait qu'il va falloir, il y a une fenêtre qui a claqué, qu'il va falloir bien peut-être se renseigner, bien être sûr de son coup avant de se jeter à l'eau, je dirais. Voilà. Peut-être que votre force, c'est de la compréhension, de bien tout comprendre, bien tout vous renseigner pour justement être sûr de ne pas faire de bêtises. Et donc, je vous conseille de prendre bien vos renseignements avant de vous jeter à l'eau. Ah, ici, on a l'homme. L'homme avec soit de prendre vos renseignements auprès d'un homme. Il y a peut-être un homme qui peut vous conseiller, peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait et qui pourrait du coup vous conseiller. Ou alors, ça pourrait être l'énergie masculine aussi de plonger dans la force pour prendre une décision. Voilà, où il y a un de ces vents, je pense que vous l'entendez. Voilà pour ces petites énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.